Il y a ce qu'on appelle le sacrilège. Le sacrilège, c'est le péché de ne pas reconnaître la chose sainte. De jouer avec la chose sainte. Sacrilège. Et un des problèmes de beaucoup de chrétiens, ils ne font pas la différence entre une chose qui est sainte et une chose qui n'est pas sainte. Amen. On ne joue pas avec la relation homme et femme que vous n'avez pas créée, que Dieu a créée, qui est pour lui l'image visible de l'Église. Amen. L'homme représente qui ? Christ. L'Église représente qui ? La femme. Et qu'est-ce que Christ nous dit ? Que l'Église doit lui faire comme il dit. L'Église doit obéir à Christ. Et Christ a aimé l'Église. Il s'agit d'une relation mystérieuse. Ephésiens 5. Je vais vous montrer. Yes. Il le faut. Il le faut dès maintenant. Dès maintenant, il pose des actes. Il invoque les démons. Dès le départ. À partir de ce moment, Dieu se retire. Wow. Vous savez tous que Dieu est tout sauf un blagueur. Amen. Vous savez que Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Yes. La sainteté de Dieu ne lui permet pas d'être là où on fait n'importe quoi. Amen. Dieu est saint. Il est trois fois saint. Wow. Que pas. Lorsque les hommes rentraient dans le lieu très saint, le sacrificateur, une fois par année, pour aller rencontrer Dieu, qu'est-ce qu'on faisait? On lui attachait une corde. Yes, yes. Il s'était purifié pendant toute l'année. Mais on se disait, on ne sait jamais. Yes. Peut-être qu'il a oublié un péché. Et s'il rencontre Dieu, il va mourir. Alors on lui attachait une corde. Il va pour demander pardon pour le peuple. On tire la corde comme ça. On tire. S'il bouge, on dit il est vivant. Yes. Si on tire, il ne bouge pas, c'est qu'il est mort. Oh. Parce qu'il a oublié un péché. Dieu est saint. Vous ne pouvez pas collaborer avec lui en même temps en faisant des jeux impurs. Amen. Il se retire. Même si vous êtes fiancé, même si vous êtes proposé, il se retire. Vous irez à la mairie sans lui. Wow. Yes. C'est pourquoi maintenant on regrette. Yes. Parce qu'on a, au fond, on est rentré dans un truc sans Dieu. Amen. Yes. Parce que vous devez savoir que c'est Dieu qui contrôle la conscience de l'homme et de la femme. Amen. Pour que ton mari ne te fasse pas le mal, il faut que Dieu le contrôle. Amen. Pour que ta femme fasse sa part, il faut que Dieu. Quand Dieu n'est pas là, il ne reste qui? Vous deux. Wow. Amen. Oh, mesdames et messieurs, quand Dieu n'est pas là, jeune fille, jeune homme, vous allez souffrir parce qu'il ne reste que vous deux. Et vous aurez affaire à quoi? L'éducation de l'autre et ton éducation. Yes. La susceptibilité de l'autre et ta susceptibilité. Yes. La sensibilité de l'autre et ta sensibilité. Yes. Dieu n'est plus là. Amen. Wow. Vous avez habillé les salles, habillé les corps, mais Dieu n'est plus là. Et quand Dieu n'est plus là, tu auras affaire à l'autre. Wow. Je vous explique ce qui se passe dans nos vies. Je vous explique pourquoi les mariages tombent. Je vous explique pourquoi les gens ne sont plus heureux d'être mariés. Parce que Dieu n'étant pas sur ton mari, Dieu n'étant pas sur toi, dans le cadre du mariage, vous n'avez affaire qu'à vous deux. On ne peut pas. Imaginez-vous, on commence l'église. L'église, c'est la maison de qui? De Dieu, non? Yes. On commence l'église. Et puis dans l'église, on commence. On est là en train de prier. Les gens ont des caprices. Les gens ne s'aiment plus. Les gens se taquinent. Les gens ne parlent plus ensemble. Les gens font ceci. Les gens s'énervent. Les gens... Est-ce que ça marche? Non. Mais le mariage est la première institution de Dieu. La deuxième, c'est quoi? L'église. Wow. Amen. Donc, si Dieu... Voilà, je donne l'image. Wow. Quand Dieu n'est pas là, tu connaîtras quoi? Le vrai visage de l'autre. Amen. Yeah! Quand Dieu n'est plus, vous l'avez chassé. Jeune femme, ne chassez pas Dieu. Amen. Ne chassez pas Dieu d'une relation avec un frère. Amen. Vous allez être déçu. Amen. S'aimer, ce n'est pas faire des caprices. S'aimer, ce n'est pas jouer aux jeux qui font mal. S'aimer, ce n'est pas être égoïste. S'aimer, ce n'est pas se venger. Amen. Ne chassez pas Dieu de votre relation. Amen. Et quand tu sens que l'autre ne respecte pas Dieu, casse la relation. Amen. Casse-moi cette relation. Yes.
Parce que si l'autre ne craint pas Dieu, tu es foutu.